Bonsoir tout le monde, bienvenue sur News Daily. Nous portons quelques précisions pour vous sur justement décision ça et qui peut coller en fait qui peut publier puisque c'est dans fin mois de juin où tu as supposé mettre le dehors, mais nous connaissons le grand temps prend la rue, gain on leak décision côté que Supreme Court là pral overturn. Ça veut dire yo pral justement retirer droit ça que yo te bail tout le monde. Toute femme pour capable pour une raison pour l'autre soit peut-être puis t'es violé ou bien peut-être en fait pour une raison pour l'autre que mon gars doit décider que il pas continuer avec un grossesse pour avortement doit ça que il t'a gagné c'est par l'intermédiaire de procès ça qui était fait depuis 1973 qui presque gagne 50 ans et bien jeune jodi a Supreme Court décider retirer ça qui pral conduit dans qui ça qui a conduit par exemple Mississippi, il a dit lui-même par suite de en fait, il y a tant et mois de juin parce que nouvelle agent a confirmé qu'effectivement il va le retirer lui. Donc gouvernement Mississippi dit lui-même il va le retirer ça n'est les contraception. Et dit affaire fait planning, on pas capable faire lui. Et McConnell parlait effectivement avec décision ça en fait, et Mitch McConnell dit que nous capable entrer dans ça nous là, il dit bien oui, national abortion ban. So, c'est bon question state. Donc, ça qui arrive que sur le plan national, à quel côté ou pas qu'à faire avortement. Et nous rappelons que bataille causée avortement sont bataille qui a longtemps. Et mesdames, je toujours dit ça fait partie du droit pour décider. C'est eux-mêmes qui vous décider. Ça pour vous faire avec quoi yo yon moun gen droit contre ou pour avortement mais yo dit at the end of the day c'est quoi yo et c'est yo qui pour décider justement et pour causer ça yo pas bay yo pas doué bay l'état pour voir pour décider sur ça et donc gagné en pile mouvement actuellement là gagné des moun qui a fait des mouvements de manifestation devant porte et juge dans Supreme Court ça maintenant du parti roche là ca pas bouler caoutchouc non yo fait sitting levé camper vous comprenez et gain plusieurs mouvements qui a fait sur cause ça et mercredi qui vient là gain yen Schumer qui va voter il va faire vote dans parlement mais c'est pas un vote symbolique puisque il pas vraiment joindre 60 sénateurs qui pour ta voter, il va de codifier ça dans les droits pour monde capable faire avortement mais pas joindre lui. Et mais en tout cas faut souligner que quelques républicains qui dit eux même c'est vrai que yo c'est anti avortement mais eux même yo pas ta pour ça dans les national abortion ban. Yo en réalité quelques républicains qui dit eux même yo pa ta pou causer pour ta sous tout pays a net interdit bagay ça et donc c'est un véritable débat mais ta sou, en fait on va demander tout est-ce que monsieur juge suprême court ça yo peser ça yo envie faire en fait ça yo pral faire là puisque yo gen tan décider parce que ça pou comprendre nan causer ça c'est que monsieur dame ça yo un point trois derniers juges qui sont nommés sous Donald Trump là. Si nous prenons Neil Gorsuch en 2017, il a toujours posé une question sur cause Roe v. Wade là, qui a un rapport avec l'avortement. Ok? Donc, mais ça par exemple, là, bon Gorsuch, mais ça le dit. Il dit, Roe v. Wade, son bail qui était décidé, son bail qui décide déjà en Supreme Court de 1913, il dit c'est un précédent. Et il était réaffirmé. Non, non, il était clair et pour dire que c'était quelque chose qui settle son bagage qui déjà réglé c'est pas le fait que le d'accord avec nous mais il dit qu'on précédent son bagage qui déjà décidé ok c'est des paroles de Neil Gorsuch Brett Kavanaugh et maintenant une bagage par exemple Brett Kavanaugh gagné sénateur républicain qui dit et avant de voter lui-même il était fait un chita par la veille. Il dit que en parlant de Collins, il dit qu'Avano dit que c'est un bagage qui s'est tel
En parlant de cause zéro virée de là, c'est tel comme au précédent. Mais là, c'est grave, hein? Parce que l'idée dit qu'ils ont pas bien que les nègres là, les pas devant sénateur là, ils prêtaient serment pour que tout ça le dise, c'est la vérité. L'idée dit que c'est que, monsieur Damsa, ils ont juste choisi menti pendant qu'ils ont prêté serment, qui sont bagailles qui grave. Qui sont bagailles qui grave. Ils sont tous d'accord que c'est un véritable précédent. Mais on remarque que causer ça, il soulevait justement et un ensemble de monde. Maintenant, il y a parlé de causer leak, le fait que il y a pas de quand même nous prenons des décisions quand même officielles, les gars là. Il y a des gens qui disent c'est des ordres, il faut au monde ça payer, c'est considéré comme crime. Maintenant, le vrai débat, c'est que ça on voulait faire. Et le fait que Gombaga qui sortit dans la Supreme Court, il prend la rue, at least capable de sanctionner pour les gens qui mettent le dehors pour le faire du job, mais il n'y a pas qu'à traiter comme un bagage criminel. Non? Ok? Parce que lui pas fait partie de dossier classé. C'est là, en fait, débat qu'a fait. Sous cause, en fait, en plus, le public a fait débat ça, non? Il faut tracer le sang, il faut que ça, il prend crime. Puisque c'est pas un dossier classifié. Décision du c'est comme si tôt ou tard la gagne pour libérer ou prendre la rue, c'est ça le pour prendre la rue et puis on mettait le dehors. Docteur est tellement capable de gagner des punitions pour les gens qui fait travail ça. Il est capable de faire des punitions comme les gens dans le cadre ça pour en fait dans le cadre de travail, respect règlement du travail, il retire, il est capable du job, on s'en bat. Mais elle pas rentrer dans le point pour que le département de la justice. T'as vu investiguer comme quoi c'était un crime. Il n'y a pas qu'à prouver, c'est ça. En fait, il y a un ensemble de députés et sénateurs républicains qui ont demandé au département de la justice pour t'aller investiguer, mais il n'y a pas qu'à faire. Ok? Il n'y a pas qu'à faire. Parce que ça, on a demandé où est le crime? Côté crime, on a demandé au département de la justice pour aller investiguer, tout simplement. Ok? Donc, alors là, il y a un peu de monde, des démocrates qui te prévoient que justement, nous avons arrivé dans ça, vous pensez que tu as ouvert tel ou viré, mais étant donné que tout groupe de Supreme Court, ils ont dit qu'ils ont même son précédent, et un peu de monde pensait que vous n'avez pas arrivé là, vous n'avez pas compris l'impact que ça a dans la société, là, mais ils ont ouvert tel. Et là, c'est un commencement. L'organe. On dit presque que si juge conservateur, c'est commencement. C'est qu'il y a une bonne autre bagarre encore que M. Damsa est capable de décider overturn. Donc, alors là, nous vraiment là, et non bateau, nous pouvons connaître qui ça, M. Damsa a préparé derrière, toujours dans le cadre d'Andarele, consolider conservateur. Parce que désormais, Robert, qui était un esprit indépendant, qui Robert pour ou contre, ça ne veut pas dire rien, non? Par contre, vous comprenez. Il y a 5 langues qui ont décidé, Robert, dans mi-temps, parce que Robert, qui était contre faire équilibre là parfois. Mais avec l'arrivée de Amy Konobaret qui prend place Ginsburg, Robert Skounier là, c'est vrai que c'est lui qui chiffre Supreme Court, mais 5 messieurs dames, c'est eux-mêmes là. Et puis ils ont décidé là, ils ont gagné en majorité. Mais j'ai un causé là. Donc voilà, guys, et nous devons vous update ça pour nous, c'était un plaisir.